مساء الخير إلى جميع المشاهدين في لبنان والعالم. جال العالم مشيا على قدميه ومن دون مال، وهو ابن الجاه والقصور وحفيد الرئيس. شارك في الألعاب الأولمبية وهو ما زال فتيا، حقق نجاحا بارزا ولافتا في حقل الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، فإذا بالملايين تتساقط في أرصدته. حياته العاطفية تتأرجح تماما كأسهم البورصة العالمية. يعشق السفر، يحمل عيني جده الشيخ بشارة الخوري عمود الاستقلال اللبناني. ها هو ليلة معنا ضيفا في وراء الوجوه. بيير كالون، مساء الخير. مساء الخير واهلا وسهلا فيك. بيسعدني اني التقيك الليلة واني اتعرف عليك، اكتشفك، واسمح للمشاهدين او اتيح فرصة لهم انهم ايضا يتعرفوا عليك. الحقيقة في عتب من المشاهدين في لبنان والعالم أنه دائما الضيوف المتحدرين من أصل لبناني عم يتكلموا باللغة الأجنبية، سواء بالفرنسية أو بالإنجليزية، وليلة للأسف أيضا كمان حيكون الحوار باللغة الفرنسية. هكذا طلبت، رح نرضخ لطلبك ورح نحاورك باللغة اللي تفضل تتكلم من خلالها. نبتدي؟ نبلش؟ نعم. Pour commencer, Pierre Calan, qui êtes-vous? Comment vous présentez? Je suis né à Beyrouth en 1956, il y a un peu plus de 48 ans. J'ai passé 12 ans au Liban. Un grand-parent savoyard, d'origine savoyarde, venu ici avec le mandat français. Trois grands-parents libanais, donc d'une famille plutôt libanaise, avec un nom savoyard, celui de mon autre grand-père. Et jusqu'à 12 ans, j'étais principalement à Beyrouth, en fait à Kaslik, à l'époque où rien n'était construit dans la région. C'était une forêt de pins. Et à partir de 12 ans, j'ai passé presque autant de temps en France qu'au Liban pour faire un sport, la natation, qu'on a pratiqué, ma sœur, mon frère et moi, toute notre adolescence. Donc une passion qui devait devenir éventuellement un métier par la suite. Bon, ça n'a pas été le cas. Les circonstances ont voulu que vous vous plongiez dans un monde ou dans un domaine un peu différent. On va certainement en parler au cours de l'émission. Pour l'instant, nous allons rester dans la partie que vous avez évoquée. Trois de vos grands-parents sont libanais, un est français. Comment vous vous considérez? Libanais. Oriental. Purement. Purement. Le cœur, le sang. Le cœur, le l'esprit. Sang, un produit d'Orient. Vous êtes le dépositaire d'un passé glorieux et d'un héritage en or. Alors dites-moi, comment cette histoire vit-elle en vous? Oh, ça nous a donné des valeurs. Donc je pense que chez moi, c'est une impression d'avoir déjà vécu depuis longtemps. Depuis tout jeune, j'ai l'impression que ce n'est pas mon premier passage. Et quand je pose des questions à des membres de la famille, je me rends compte que un ou l'autre membre de la famille, des générations précédentes, qu'on a été toujours dans la fonction publique, au service du pays. Et je pense que c'est des... ça inculque en nous des valeurs qui restent très ancrées. Bon, vous êtes libanais de cœur, comme vous venez de le dire. Vous êtes oriental, ouais. À 100%. Mais vous êtes malheureusement complètement intégré dans la culture occidentale. Vous êtes occidentalisé. Alors, est-ce que vous êtes conscient de l'héritage que vous possédez? Tout à fait. Peut-être dans la forme, je suis un peu plus occidental. Dans les manières de faire quelques... les choses superficielles. Oui, mais 30 ans de vie à l'étranger, c'est une rupture totale avec les racines. Non, pas du tout. Non. Pierre Calan, l'appartenance, quel regard y portez-vous? Être le petit-fils de Bchara Al-Khoury, être le fils de cette famille-là, ou de n'importe quelle autre famille connue, alors que c'est une appartenance. Comment vous la cernez? Comment vous la regardez? Je ne la regarde pas d'une manière attentive, mais je pense que dans le subconscient, on est tenu à une rigueur
dans les agissements, dans la vie qui est innée chez nous. Et je parle de mon frère, de ma sœur. Et je pense que ça se porte dans l'âme sans qu'on en soit conscient à tous les moments. Donc c'est une obligation de faire d'une certaine manière. Charles Khoury, vous l'avez connu, quel souvenir en gardez-vous? Oh, c'est le seul de mes grands-parents dont je me souviens. Et j'étais soi-disant son favori, il paraît. Un poète, d'abord. Beaucoup d'humour, beaucoup de sagesse, une main très imposante. Il me tabotait sur la tête quand j'étais petit et j'avais l'impression qu'on essayait de m'assommer. Mmh. Et lui, pensant bien faire, continuait à le faire. Et un tendre. Ce favoritisme qui vous entourait de la part de ce grand-père, je pense qu'il a été légué à votre oncle, Khalil Khoury, oui, qui trouvait en vous aussi le neveu favori et préféré. Alors, de Khalil Khoury aussi, quel souvenir en gardez-vous? Oh, Khalil, le personnage le plus unique que j'ai eu la chance de rencontrer. J'ai eu la chance que ce soit un oncle, mais ça aurait été un ami si j'avais eu l'occasion de le rencontrer par ailleurs. Un homme merveilleux. Pierre Calland, je sens à quel point ce passé vit en vous et à quel point ces liens familiaux sont importants pour vous. Parce que je remarque dans vos yeux aussi une certaine tendresse et beaucoup de nostalgie aussi. C'est bien, ça c'est le côté oriental qui vit toujours. Ouais. Pierre Calland, la famille Khoury, oui, a refusé la guerre. Et il semblerait que la guerre vous a battu. Vous êtes tous partis, vous avez quitté le pays. Une partie s'est installée en Californie, une autre à Genève, une troisième à Paris. Vous êtes par conséquent déraciné. Ce déracinement vous pèse-t-il? Non. Non. C'est un acquis. D'être déraciné, c'est un cadeau un peu dans la vie. Parce que on peut être pessimiste et se regretter les racines perdues, le pays changé, mais le monde évolue d'abord. Deuxièmement, les expériences s'accumulent et sont beaucoup plus diverses quand on est parti, quand on est resté. Et je pense que le voyage de tous les autres cousins et autres les a enrichis, je pense, de faire exploser un peu les limites de son environnement est tout à fait sain. Et on n'a pas eu le choix de décider quand. C'est la guerre qui a fait que les uns n'ont pas pu revenir s'ils étaient déjà partis, que les autres ont dû partir s'ils étaient toujours au Liban. Et je pense que c'est un acquis dans la vie. Ça nous rend plus forts. Troisième génération, ou plusieurs cousins, est-ce que vous avez gardé le contact entre vous? Quand on se voit, c'est avec beaucoup de joie. Ce n'est pas des rencontres régulières, mais elles sont pleines de joie. La statue de votre grand-père attend toujours d'être réintégrée à sa place. Ouais. Est-ce que cela vous affecte? Est-ce que vous êtes concerné par ce qui se passe? Je suis concerné par... La statue en soi n'est pas très importante. Qu'on essaye de réécrire l'histoire du Liban, de changer ce qui s'est passé à cette époque me concerne plus. Je pense qu'il y a eu un élan d'indépendance au Liban qui a uni tous les Libanais à l'époque de 1943 et avant, qui va retrouver un jour de nouvelles racines. Quelle signification cela a-t-il, le fait qu'on veuille effacer le passé et qu'on veuille commencer une nouvelle page? Oui. Les gens peuvent essayer, mais je pense que dans l'ensemble, l'histoire de cette époque est déjà écrite et que les tentatives n'aboutiront pas à changer ce qu'elle a été. Pierre Calland, nous allons nous arrêter avec une pause publicitaire et puis par la suite, nous allons reprendre cet entretien avec vous. Amis téléspectateurs, ba'dkoum 'a barnamej Wara' al-Wujouh wa Layla 'Amal Hawer, Pierre Calland, Hafid al-Raïs Bachar al-Khoury.
القطن في كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية، والليلة عم نحاوره من بيروت. خليكم معنا منتبه هذا اللقاء بعد الفاصل. عودة إلى برنامج وراء الوجوه مع ضيفنا الليلة بيير كالون. Le sport occupe une place prépondérante dans votre vie de tous les jours. Vous avez pris part aux Jeux Olympiques de Munich en 72, mais malheureusement, c'est la France que vous avez représentée et non pas le Liban. Comment ça se fait? Les Libanais ont décidé que je n'étais pas Libanais. Et voilà. Et comme j'ai eu la chance de pouvoir appartenir à une équipe de France bien meilleure dans son niveau que l'équipe libanaise, J'ai pris ma chance et puis... Vous avez le passeport libanais, non? J'ai le passeport libanais. Il fallait se battre. Oh, il y a des gens contre lesquels on ne peut pas se battre. On peut se battre avec des gens d'une éducation, d'une certaine éducation. Et à l'époque, malheureusement, dans la fédération de natation, ce n'était pas une bataille qui nous intéressait. On était en 72. 72. Contre qui vous battiez à l'époque? Oh non, j'ai nagé bien derrière Mark Spitz, mais j'avais 15 ans, donc j'ai eu 16 ans le dernier jour des Jeux, j'avais moins de 16 ans quand j'ai nagé. Et mon héros, Mark Spitz, a gagné les deux épreuves dans lesquelles j'ai nagé, ainsi que 5 autres. La tragédie de Munich a-t-elle laissé des séquelles profondes en vous? Oui, bien sûr. À 15 ans, dans un environnement sportif, une grande fête, une foire, sportive, où tout le monde, et où il y a une harmonie. Il y a de la compétition, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui se retrouvent ensemble, beaucoup de musique dans le village olympique. Et d'un coup, le choc. D'un coup, l'enlèvement. D'un coup, les morts de tous les côtés. Un choc pour tout le monde. Si je vous demande de retourner dans le temps et d'essayer de ressusciter ce qui s'est passé, quelles seraient les images qui vous reviennent? Moi, je me souviens avoir été réveillé très tôt le matin par des encadreurs de l'équipe de France pour savoir si je parlais assez bien l'arabe pour traduire. Parce que je m'étais enregistré dans le village olympique et ma fiche disait que je parlais l'arabe. Je parlais beaucoup mieux à l'époque qu'aujourd'hui. Et rien d'autre n'a eu lieu, mais on a été réveillés très tôt. Les Jeux se sont arrêtés une journée entière d'attente. On espérait que tout allait se résoudre amicalement et que les athlètes seraient relâchés. Et ça n'a pas eu lieu. Explosion, déception, tristesse, etc. Cet événement a-t-il affecté votre vie en général? Votre passion pour le sport en particulier? Il a créé une passion en moi, et c'est la paix en Orient, c'est la paix entre Palestine et Israël. Quand j'ai vu ce qui s'est passé à Munich, j'avais déjà eu, grâce à ma mère qui avait fait du travail dans les camps de Palestiniens à Beyrouth, j'avais déjà eu un peu un aperçu de ce que les camps palestiniens produisaient sur le plan de la qualité de la vie, etc. L'attentat de Munich a dû me réveiller parce que c'est devenu depuis ma passion d'essayer de participer, d'aider la paix. Dites-moi, Pierre Calland, est-ce que vous êtes concerné par ce qui se passe aujourd'hui dans cette partie du monde? Très concerné. Très, très concerné. En l'occurrence, l'Irak. L'Irak. La Palestine. La Palestine. L'Iran. Le Pakistan. Pakistan. Tout. Une poudrière. Une grande. Comment vous expliquez, ou bien quel regard portez-vous sur ce qui s'est passé en Irak, sur l'occupation de ce pays-là? Je pense que les Américains ont très mal analysé la situation du Moyen-Orient. Ils ont voulu séparer le problème irakien du problème du Moyen-Orient, qui est beaucoup plus global, et où le plus gros problème est de loin le problème entre la Palestine et Israël.
Et je pense qu'ayant voulu dissocier ces problèmes, wishful thinking, comme on dit en Amérique, eux pensaient pouvoir faire l'Irak sans faire pression sur Israël pour résoudre le problème israélien. Ça n'a pas eu lieu. On est en attente, dans l'espoir qu'un deuxième mandat produise une paix. Que pensez-vous du regain de violence aujourd'hui? C'est un regain de violence, c'est un signe de désespoir. Des deux côtés, je pense qu'aussi bien les Palestiniens, aussi bien les Israéliens sont dans l'impasse la plus totale, et que d'habitude, de ces impasses, des moments les plus noirs, finalement, on voit jaillir une lumière quelque part. Et peut-être qu'on est à l'aube de cette nouvel épisode. Aussitôt que vous avez quitté ici, c'est Indiana, l'université de Indiana que vous avez choisie, à Bloomington. Alors pourquoi ce choix-là? Parce que justement, Mark Spitz, mon héros, celui qui a gagné toutes les victoires olympiques aux Jeux de Munich, venait de sortir de Indiana University. Et s'était formé à Indiana University, la meilleure équipe de natation du monde de l'époque. Donc c'est une université qui m'intéressait sur le plan sportif d'abord, et qui de plus donnait une éducation de toute première qualité. Donc ma première étape américaine a été Bloomington, Indiana. Cette étape en particulier, comment vous la décrivez aujourd'hui? Avec du recul, bien sûr. Oui, c'est en même temps la plus belle expérience de ma vie, et en même temps une des plus tristes, étant donné que c'était mon premier départ de la maison, définitif. Ce n'était pas un petit voyage pour faire une compétition en équipe de France, pour revenir au Liban, etc. C'était le premier grand départ. Et la guerre a commencé très peu de temps après mon arrivée à Indiana. La guerre est bouleversante pour un jeune récemment parti. Et de l'autre côté, le campus, un grand campus américain où tous les jeunes viennent de tous les coins d'Amérique et de tous les coins du monde et vit un peu en grande kermesse, c'était aussi magnifique. Donc les deux côtés. L'intégration a été naturellement facile. Oui. Vous étiez français, vous n'étiez pas le seul arabe. Non, j'étais seul arabe. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais j'ai voulu l'être quand on me demande, je dis toujours que je suis libanais. Donc de toute manière, c'était à l'époque de l'embargo pétrolier. C'était à l'époque c'était une mauvaise période pour les Arabes à l'époque. C'était l'embargo pétrolier, c'était ça l'arabe et j'étais ça l'arabe. Mais je l'étais déjà en équipe de France. Déjà? Déjà, bien sûr. Même français? Oui, parce qu'ils savaient tous qu'on venait du Liban. Dites-moi, Pierre Canan, le sport, que vous procure-t-il? Oh, beaucoup de sérénité. Vous en avez besoin? Tout le monde en a besoin. Moi, sûrement. Pour quelqu'un qui a une vie aussi tumultueuse que la vôtre, je comprends bien. Ouais. Aujourd'hui, vous continuez à le pratiquer? Autant que possible. Tennis, natation, l'été. Vos passions avec l'âge ont-elles changé, ont-elles diminué? Vous êtes toujours cet homme passionné. Je suis encore plus passionné que quand j'étais adolescent. Quand j'étais adolescent, j'étais plus passionné par... ce qui se passait à l'époque, c'était Che Guevara, c'était la révolution, c'était tout ça. J'étais prêt à partir, sac à dos, aller rejoindre la révolution socialiste. Mais c'était un peu abstrait. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup vu, et j'ai beaucoup plus compris pourquoi cette révolution était nécessaire. Elle a des côtés violents qui n'étaient pas nécessaires, etc. Mais dans le fond, l'inégalité dans ce monde est insupportable. Le voyage, quel effet a-t-il sur vous? Est-ce que vous l'associez à l'évasion uniquement ou à la recherche? Non, c'est la recherche. L'identité. Non, pas la recherche d'identité, autant que la recherche de découverte, l'élargissement de l'esprit. Découverte de quoi? De soi-même? Non, on se découvre un peu plus tous les jours de la vie. Et on se découvre de temps en temps par des chocs provoqués par des rencontres, par des événements. Quel était le premier choc de votre vie qui vous a permis par conséquence de vous découvrir? Je pense que la vie est faite de chocs. Certains petits, certains plus importants. On a tendance à se souvenir un peu mieux des chocs qu'on a plus ressentis. Mais je pense qu'il y a des chocs un peu tous les moments et qu'on est on vit l'ensemble de nos chocs. On devient le résultat de tout notre parcours.
Il paraît que jeune, vous êtes associé avec des copains à vous, dont le fils Agnelli, et vous avez décidé ensemble de faire le tour du monde, sans aucun sou. Pourquoi ? Mais c'est un peu romancé comme histoire. Il y a deux volets de l'histoire. La marche, parce que je suis un grand marcheur, je marche 4 à 5 heures par jour, et j'entraînais tous mes copains et mon roommate d'école, ce jeune homme duquel vous parlez, faire les marches avec moi. Donc, ils étaient forcés pour être avec moi, et faire la marche avec moi 3, 4, 5 heures par jour. Donc, la réputation que j'ai fait le tour du monde à pied, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est resté mon associé en affaires, c'est toujours mon meilleur ami. Je l'ai connu, je n'avais pas le sou. Lui venait d'hériter une première partie d'un héritage beaucoup plus important. Et on est très vite devenu roommate et c'est resté mon meilleur ami. Donc vous n'avez pas le sou, vous en avez tellement aujourd'hui. Alors les investissements, on va en parler juste après cet arrêt publicitaire. Qu'en pensez-vous ? أصدقائي المشاهدين بيير كالون ضيف هذه الأمسية من برنامج وراء الوجوه خليكم معنا من تبع لقاءنا بعد الوقفة بيير كالون ضيف هذه الحلقة من وراء الوجوه مساء الخير مرة ثانية مساء الخير alors sans aucun sou et tout d'un coup une fortune je ne dirais pas colossale pour ne pas attirer la foudre et des envieux mais une grosse fortune alors ce revers là comment a-t-il eu lieu d'abord j'étais sans le sou mais j'étais toujours le plus riche parce que j'avais besoin de rien donc tout est en fonction des besoins. Et comme je n'ai jamais senti que j'avais des besoins, je me suis toujours senti le plus riche de tous. J'avais pas besoin de voiture, j'avais pas besoin d'accessoires. J'ai toujours préféré être démuni d'objets matériels et je préférais ne pas en avoir à l'époque. Ça tombait bien. Il avait une certaine autosuffisance donc ? Non. Non, c'était plus une approche marxiste. De dépouillement et c'est resté en moi, j'ai toujours eu ça et donc d'avoir fait de l'argent n'a pas changé grand chose mais ça permet un peu plus de flexibilité dans la vie que la période où je n'en avais pas du tout mais je suis content d'être passé par là. Bon, parlons pratique, la plupart des invités que je reçois sur ce plateau ils parlent théorie. Ils sont toujours en train de donner des réponses utopiques. Alors j'espère que vous allez nous accorder une réponse beaucoup plus scientifique et rationnelle. Alors, cette fortune, le premier investissement, c'était quoi ? Comment a-t-il eu lieu ? Et c'était quand le premier million que vous avez effectué ? En ce qui me concerne, je n'attribue qu'à la chance le succès financier que j'ai eu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le tout premier investissement que j'ai jamais fait, je l'ai fait de la manière suivante. J'habitais Singapour, je travaillais pour une banque qui s'appelle JP Morgan, donc j'étais basé à Singapour, et mon copain d'école, mon roommate de Wharton, copain dans la vie, était à New York, et avec la différence horaire, lui commençait sa journée, moi je finissais la mienne à Singapour, et on a eu une conversation au téléphone, et il m'a dit, s'il te plaît, il faut que tu me vires 100 000 dollars pour faire cet investissement. Moi j'étais payé 29 000 dollars annuels à Singapour, j'avais pas le statut d'expatrié, c'était vraiment, j'avais vraiment pas les moyens. J'ai quand même réussi à trouver 69 000 dollars, j'ai vidé tout ce que j'avais, tous les comptes que j'avais, j'ai emprunté 10 000 dollars à ma première femme et je lui ai viré 79 000 dollars et lui comme un fou a tout misé sur une affaire qui lui semblait très bonne. Et que lui participait, dans laquelle il participait à la gestion. Après avoir envoyé l'argent, après avoir fait l'investissement, grande panique, les comptes sont vides.
ma femme est à 10 000 dollars de moins. Pendant quelque temps, c'était pas très confortable. Avec un peu de chance, j'ai réussi à faire un peu d'argent dans la bourse à Singapour, sans jamais avoir à payer des positions, des options et produits de ce genre. Et j'ai reconstitué ce petit capital d'à peu près 70 000 dollars dans la bourse, et je me suis apaisé un peu. Et l'affaire s'est mise en bourse. C'était le départ d'une affaire, l'investissement que j'avais fait. L'affaire s'est mise en bourse à 6 dollars l'action, alors que l'investissement avait été fait à 49 cents l'action. Donc 49 cents à 6 dollars, c'était déjà 10-12 fois la mise. Mais on n'avait pas le droit de vendre. Donc il y avait 6 mois de temps avant de pouvoir vendre. Donc je patiente, j'ai la discipline de ne pas vérifier au quotidien l'action, mais je sais qu'elle se tient à peu près à 7 et 8. Et puis d'un coup, un mois après, j'ai une conversation avec un autre copain qui m'appelle et on papote, lui aussi à 1 heure. Et au bout de la conversation, je lui dis, écoute, vérifie cette action pour moi, donne-moi son cours. Et il me dit comment elle s'appelle. Je lui dis, elle s'appelle Sonex Researching, qui était le nom de la société. Il ouvre le bouquin, à l'époque c'était des bouquins, hein, il la met sur l'écran et il me dit 48. Je lui dis 48 quoi? 48 dollars. Je lui dis non, c'est pas possible. Vérifie à nouveau, il avait fermé le livre, il le réouvre, il me lit le nom des administrateurs, dont mon copain, etc. Je savais que c'était la bonne. Mais 100 fois la mise. Premier investissement, première mise sur le tapis, 100 fois la mise. Et c'est comme ça. C'est comme ça que ça a commencé. Et ça a généré combien de revenus pour vous? Beaucoup. 70 000 dollars ont valu sur papier 7 millions. J'avais 25 ou 26 ans. J'ai pas tout réalisé, j'ai pas eu la sagesse de tout réaliser. L'action aujourd'hui, 20 ans après, de nouveau à 49 cents, mais ça m'a donné tous les éléments de départ dont j'avais besoin. Et c'est un grand départ. C'était un bon départ. Oui, et le prochain investissement ou le second investissement que vous avez effectué? Alors j'ai appris toutes les leçons à apprendre, les deux premiers. Le premier investissement, c'était 100 fois la mise. Et ça m'a donné les moyens de commencer à investir indépendamment. Et le deuxième, l'argent a été perdu à 100% dans les premiers mois de l'investissement que j'ai fait. Donc j'ai eu dans la première affaire 100 fois la mise et dans la deuxième affaire 100% de perte sur la mise que j'avais mise. L'argent, comment vous le concevez? L'argent, c'est principalement une source de malheur, malheureusement. Comment vous le dépensez? J'ai peu de besoins. Donc je dépense autant que je peux en aidant les autres. Vous êtes toujours suffisant, non exigeant, toujours marxiste sur les bords? Pas sur les bords, pleinement. À fond? À fond. Vous avez habité Singapour, vous avez habité la Californie, vous avez habité New York, vous avez habité Beyrouth, plusieurs pays, plusieurs civilisations, plusieurs peuples. Alors, quelles sont les cultures et les civilisations qui vous ont le plus marqué? Elles vous marquent toutes. Elles vous marquent toutes. Les religions, l'Asie ne peut que vous marquer. Que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme. La manière de vivre, la perspective, la philosophie asiatique ne peut que vous marquer quand vous y habitez pendant assez longtemps. Et donc, elle vous apprend beaucoup de choses. L'Orient en général, le fatalisme, la patience. Je pense que vous êtes marqué un peu partout. J'ai été lancé en Amérique où tout le monde court. J'ai été en Asie où les gens courent, mais avec beaucoup plus de sagesse, avec beaucoup plus Sérénité. de sérénité et avec plus de raison. Et plus de sagesse peut-être. Donc, je sais pas, j'ai vécu le mélange de ces deux. Et vous en êtes la résultante. Oui, bien sûr. Pierre Calland, quand on a effectué ce contact avec autant de personnalités, avec autant de peuples, quelles sont les leçons tirées? Oh, qu'on est un grand peuple au monde et que les religions sont malheureusement l'aspect, malheureusement, sont devenues nocives. Quand elles sont pratiquées avec exagération ou avec trop de conviction.
Est-ce que cela a changé votre vision du monde et vos rapports avec les autres? Oui, l'état du monde m'attriste et fait que j'ai de moins en moins d'envie de contact en dehors de la possibilité d'aider des gens. Donc, je pense que ma vocation est dans l'humanitaire. Pierre Calland, en revoyant votre parcours, on peut dire qu'il est assez hétéroclite. Qu'est-ce qui vous pousse à ce besoin de changement continuel et continu? Je ne sais pas, je suis nomade dans l'âme. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être une vocation. La stabilité vous fait peur? Non, je la trouve dans mes valeurs. Ce n'est pas dans ma présence physique. Dans vos rapports avec les autres? Aussi, bien sûr. Vous êtes quelqu'un de stable? Je le deviens. Vous vous êtes investi physiquement et moralement dans le sport, un de ces beaux jours. Aujourd'hui, vos investissements se font dans le domaine de l'économie et de l'argent, dans le domaine financier. Quels seraient les points communs, si on peut parler de similitudes? Oh, il y a beaucoup de similitudes. Est-ce qu'on peut comparer ces deux domaines? On peut comparer, bien sûr, le sport et les affaires. Les affaires, quand on les fait d'une manière créative et d'une manière... Il faut avoir l'esprit sain. Comme pour le sport, il faut avoir un corps sain. Et en général, on ne peut avoir un esprit sain, à mon avis, sans avoir le corps sain. Pierre Calland, encore une fois, la toute dernière pause avec la publicité, avant de clôturer cet entretien avec vous. Restez avec nous. Pierre Calland, Hafid Amoud à l'Istiklal, Cheikh Bachar Al-Khoury. Pierre Calland, marhaba marratini. Yani hada hala el qism el akhir min barnamajna. Fi ana hki arabia ou saab? Saab shwaye bas. Ana wadi dayak. Fadel bil fransawi ma l'anglizi. Ana aham shi lahast hala, yani ma tasaad el halqa, innak ant irtahat nafsiyan akthar. Wa inno hal khawf yali kan min tabak ma ad mawjoud. Talasha. Fais-moi charme, là. Et le trac qui vous a invité n'est plus là. Donc, ça fait plaisir. Vous êtes bien maintenant. Alors, dites-moi, votre vie ressemblerait-elle à un défi? Est-ce que vous essayez de prouver quelque chose à vous-même ou vous cherchez à prouver quelque chose aux autres? Non, je pense surtout que j'essaye d'accomplir quelque chose, de laisser quelque chose, que ce soit à mes filles, que ce soit à la famille, que ce soit un reste de quelque chose, une contribution. À l'humanité, non? Justement. Probablement celle-là. Voilà. Quelle empreinte, à votre avis, vous allez laisser plus tard? Oh, je ne Plutôt, sais quelle empreinte cherchez-vous à laisser par la suite? Que j'étais un homme avec beaucoup de sagesse. Si Dieu me donne le temps d'y arriver, c'est le chemin que j'aimerais prendre. Votre avis, le public qui nous suit ce soir, quelle idée va-t-il constituer de vous? C'est pas important, c'est moi qui le vois. Ils se formeront l'opinion, chacun des spectateurs aura une opinion différente. Oui, mais on est des êtres humains et on ne peut pas se désensibiliser de ce qui se passe autour de soi, à mon avis, non? Non, mais on ne peut pas non plus... provoquer des réactions particulières, il faut que... On ne cherche pas à le faire. Non, justement. Mais ça nous intéresse de savoir. Oh, peut-être que certains penseront que... se souviendront du sport, s'ils sont portés sur le sport. Certains, peut-être sur la réussite dans les affaires, s'ils sont plus axés sur les affaires. Certains, peut-être... Certains revivront le passé? Oui, peut-être. Bien sûr. À travers vous? Oui, peut-être. Les valeurs humaines.
Et les valeurs d'antan aussi. Mais j'espère. La vie vous a certainement souri. Ce sourire que vous portez en vous, vous l'avez hérité de votre mère, je présume, qui est une femme connue pour son sourire continu et éternel. Est-ce vrai? Oh, j'aimerais beaucoup lui ressembler, donc c'est un compliment. Ma mère, oui, elle est magnifique. Une femme magnifique. Free thinker, comme on dit en anglais. Sans aucune limite. Très épanouie. De toute façon, cette toile parle d'elle. Elles sont percutantes et drôles à la fois. Pierre Calland, il paraît que vous avez hérité les yeux de votre grand-père. Vous avez le même regard, la même couleur des yeux et la même sharpness. Est-ce vrai? Je ne sais pas, je ne vois pas mes yeux, donc c'est difficile, surtout quand on a les yeux clairs, on ne se rend pas compte, mais mon grand-père avait des yeux particuliers. Donc je me souviens des siens très bien. Mais je ne saurais pas vous dire. Mais on m'a fait la remarque. Votre vie, je ne dirais pas, est une vie tumultueuse, mais c'est une vie de nomade. Vous n'êtes pas sédentaire, vous déplacez continuellement. Et vos amours sont, il paraît, à l'image de votre vie. Pourquoi? Un peu la nature de mon parcours. Vous avez fait un mariage ou deux mariages? J'ai fait deux mariages. Le premier était avec une Asiatique, il paraît que c'était une beauté, elle s'appelait Mercedes, un mélange philippino-espagnol. Ouais. Votre mariage a duré combien d'années? Oh, il a duré... notre relation a duré 4 ans, presque 5 ans. Il paraît que c'est à cause de vos voyages que cette union s'est brisée, c'est vrai? Oui, en partie, on était un peu jeunes, j'avais la soif de la découverte. Elle était pressée de faire des enfants, de s'installer en Bohême, à Bali. Et voilà, nos chemins se sont temporairement séparés. Puis c'est redevenu une très bonne amie. C'est resté une amie avec qui je suis en contact régulier maintenant. Est-ce que l'amour peut se transformer un jour en amitié? Oui, bien sûr. Vous êtes la preuve. C'est le cas. Oui. Et la seconde épouse? La seconde épouse est allemande. Je l'ai rencontrée en Californie. C'est une comédienne. D'elle, j'ai ma deuxième fille, qui a aujourd'hui bientôt 6 ans. Mon aîné a 10 ans. Mon aîné vient d'une relation avec une maman libanaise, une mère libanaise, une amie très très chère à moi. Et voilà, ça a été un peu mouvementé. Une vie très libérale. Oui, malheureusement. Sans contrainte. Oui. Dans l'ensemble, sans contrainte. Êtes-vous un bon papa? J'essaye d'être. Comment? Oh, mes filles sont ma passion. J'essaye d'y consacrer un maximum de temps. Mes voyages rendent la vie idéale impossible, mais dans le contexte de ma vie, j'essaye d'être très présent quand je suis avec mes filles. Disponible. Très disponible. L'amitié pour vous, que représente-t-elle? Oh, ce qu'il y a de très cher dans la vie. C'est précieux, l'amitié. Vous êtes jeune, toujours jeune, vous portez très bien. Vous avez réalisé pas mal d'exploits jusqu'à maintenant. L'avenir, comment vous le voyez? Moi, je vois un avenir de réflexion. Un avenir serein et de réflexion. De beaucoup de lectures et beaucoup de réflexion. Est-ce que vous pensez regagner l'Asie par la suite? Pour des retraites ponctuelles, oui. Pour des voyages de tourisme. Et de découverte, oui, pas pour y vivre. Et Pierre Calland, dans l'état où vous êtes aujourd'hui, pensez-vous qu'il vous soit difficile de mener une vie normale? Moi, je trouve que ma vie est normale. J'essaie de la garder normale. Même si les voyages sont fréquents, j'essaie de faire du quotidien, de rendre mon quotidien très normal. Mais c'est quand il y a cet essai et cet effort déployé pour rendre une vie normale, qu'on se rend compte qu'effectivement,
Elle ne l'est pas. On se rend compte qu'elle pourrait ne pas l'être. Mmh. On se rend compte que sans une discipline du quotidien, pour profiter des moments qui sont précieux, que ces moments peuvent nous passer, qu'on peut les dépasser sans se rendre compte de ce qu'on a raté. Mmh. Et je pense que de pouvoir prendre son temps, oui, c'est une discipline. Qu'est-ce que vous craignez ? Je ne suis pas sûr de ce que je crains. Je sens ne rien craindre, mais je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi je ne crains rien. Un homme passionné, comment se résume la passion chez lui ? Chez moi, elle est mesurée. Elle est mesurée. J'essaie de la mesurer pour mieux l'apprécier. Donc, c'est mon moyen d'en profiter. Vous êtes au Liban aujourd'hui pour un séjour assez court. Dites-moi, quand il vous arrive d'atterrir sur le sol libanais, à quoi vous pensez en premier ? Oh, il y a beaucoup de nostalgie au Liban. Quand je reviens au Liban, je sens toujours que c'est ma terre natale. Mmh. Donc, de toute manière, je sens quand même des attaches très très importantes au Liban. Quand j'y suis, quand je rencontre les gens, la chaleur de l'accueil, l'hospitalité, je me retrouve. Je me retrouve dans le comportement des gens que je vois. Qui vous manque le plus quand vous y êtes ? Mon grand-père. Pierre Calon, moi je vous remercie d'avoir pris part à cette émission. Ça m'a fait plaisir, vraiment, de vous rencontrer et de passer une heure en votre compagnie, de discuter et de vous présenter à tout un public au Liban, dans les pays arabes et à l'étranger. Alors je vais vous demander de clôturer l'émission. D'habitude, c'est ce que je fais avec tous mes invités. C'est eux qui mettent fin à l'émission à leur façon, en la clôturant par un mot, par une réflexion, par une opinion, en s'adressant à un public ou en envoyant un salut particulier à quelqu'un qui est important pour eux. Moi, j'aimerais parler surtout aux jeunes Libanais qui nous écoutent et de les encourager à s'élargir l'esprit, à ne pas avoir de limitations et à partir, sinon physiquement, qu'ils permettent à leur réflexion de poursuivre leur cours sans préjugés, sans préjudice, sans limitation, et de revenir au Liban avec tout l'acquis. Merci une fois de plus. Merci. Et à très bientôt, j'espère. أصدقائي المشاهدين، شكرا لمتابعتكم لهالحلقة من برنامج وراء الوجوه. بتأمل تكونوا استمتعتوا بهالحوار. بعطيكم موعد بالأسبوع المقبل دائما بنفس الوقت. حتى نلتقي لكم مني أطيب التحيات والأمنيات، ودائما كل عام وأنتم بخير وتصبحوا على ألف خير.